Dans l'actualité ce soir, les pays membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, sont à Nouakchott, en Mauritanie, pour la tenue de la 49e session de leur organisation. Une session ordinaire qui va examiner des questions majeures pour la vie de l'institution. Le Burkina Faso y prend part aux côtés des pays du Sahel pour solliciter l'accompagnement de l'OCI à la lutte contre le terrorisme. Des détails avec Maïmouna Traoré. La traditionnelle photo de famille pour ouvrir le 49e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. C'est l'instance de délibération sur les questions intéressant la vie et la politique de l'organisation. Le Burkina Faso participe aux côtés de ses pairs à cette 49e rencontre pour faire valoir son point de vue sur les sujets inscrits à l'ordre du jour. La cause palestinienne, l'évolution des affaires afghanes, la situation au Jammu et Cachemire, au Mali, au Burkina Faso et dans le Sahel en général, la situation des minorités et communautés musulmanes dans les pays non membres de l'OCI. La réunion porte également sur les efforts de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et le phénomène de l'islamophobie. L'intérêt pour le Burkina Faso est très opportun, en ce sens que ça va permettre justement de passer en revue la coopération entre le Burkina Faso et cette organisation qui est d'envergure et qui fait beaucoup d'apports pour le Burkina Faso. Et au-delà, quand on considère la thématique qui porte justement sur le juste milieu et la modération qui constitue des clés maîtresses pour en fait des solutions à la stabilité et à la sécurité, on se dit que le Burkina ne pouvait qu'être présent. Et il y aura aussi des votes à certains postes clés et il serait opportun que le Burkina Faso puisse en tout cas marquer sa présence. Occasion également pour la diplomate burkinabé de solliciter l'accompagnement de l'OCI et de ses États membres dans la lutte que le Burkina Faso mène contre l'insécurité. Nous attendons justement c'est que l'organisation puisse à court terme aider le Burkina Faso à sortir de la situation dans laquelle il se trouve et au-delà et contribuer de façon profonde à ce que la crise humanitaire au Burkina puisse être en tout cas résolue. Une délégation de l'OCI est attendue au Burkina Faso le 20 mars prochain pour mieux en discuter. Au cours de son séjour à Nouakchott, Olivia Wamba aura des audiences avec plusieurs délégations présentes à cette rencontre.